Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Pardon? Vous allez bien? Bah oui, et vous? Nous, ça va. À une minute près, quoi. Ouais. Voilà, non, 50 secondes. Attends, Bruno, on va commencer par des choses agréables. On va commencer par les choses agréables. D'abord, bravo. Merci. Bravo, parce que au soir de la défaite contre le Stade français, on était plutôt la gueule dans le trou. Enfin, on était la tête baissée, pour être plus poli. N'inquiétez pas. Et c'est ça. Et c'est pour ça que quand je dis nous, je parle de vous et de nous, en fait, finalement. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas déjà se dire bravo d'être en barrage? Ben, si, mais on ne peut pas s'en satisfaire, quoi. Faut viser plus haut quand même. Oui, non, mais au moins sur la saison régulière, tu arrives déjà à avoir un barrage à domicile. On avait même peur qu'on ne soit pas dans les 6. Oh, oui, non, je suis d'accord. Mais on est content, on est très content. Quel était le mot du coach là à la fin du match? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit que maintenant c'était la guerre et vraiment on oublie Brive et on passe vraiment que sur le Stade français. Ouais, que ça tombait bien que ce soit le Stade français, ça va nous préparer aux échéances futures. On va en parler de tout ça. Avant de vous laisser avec aussi les supporters qui ont forcément plein de questions, et je vous le disais, bravo les gars, parce que c'est tout un groupe qui gagne et malgré tout ce qui s'est passé cette saison, voilà, on y est. Juste un mot, je n'ai pas envoyé un message à Gaël Ficou encore, mais il doit être comme un fou, non? Oui, c'est sûr. Là, oui. C'est un match particulier pour lui. De quoi? Qu'est-ce que tu as dit, pardon? C'est un match particulier pour lui. Après, ouais. Maintenant, il est dans une équipe à 100%. Il va jouer. Oui, puis là, il est dans une équipe qui gagne. Ça va le changer un peu. Les gars, si vous avez des questions, je vous en prie. D'accord. Bon, ben, je vais enchaîner. Mais peut-être Garbi, c'est un truc. Comme non, on a quelques... non, non, j'écris, j'essaye de trouver les questions intéressantes. Vas-y, Bruno, je t'en vas-y. Prie, je t'en prie. Non, tu nous avais dit que c'était Antoine qui venait. Et je croyais. C'était Nolan. C'est ça, mais c'est une excellente nouvelle. Oui. Excellente nouvelle. Déjà, c'est vrai d'ailleurs, ton match, comment tu l'as senti, Nolan? Est-ce que tu t'es senti bien, heureux? Tu marques, finalement, c'est le bonheur, quoi. Ouais, j'étais content. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué, ça fait un mois. Du coup, j'étais super content de retrouver le terrain. En plus, j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Là, j'ai eu 80 minutes, donc je peux m'exprimer avec grâce à l'équipe surtout. Mais ouais, j'avais de bonnes sensations. Tu flippais un peu avant ou pas du tout? Tu étais concentré? Non, j'étais plus concentré. Maintenant, cette année, j'ai eu pas mal d'opportunités quand même pour m'exprimer. Donc, c'est un match que j'ai abordé plutôt sereinement, même s'il y a toujours un enjeu. Là, on voulait se qualifier au moins pour on visait les demi, on voulait faire un match sérieux. Donc ouais, j'ai une petite pression, mais une bonne pression. Une toute petite question pour moi et après moi j'arrête. Est-ce que vous étiez au courant du score, de ce qui se passait pendant le match à Clermont? Non, pas du tout. Ils ont essayé de faire abstraction de ça pour qu'on joue notre rugby. Voilà, on ne pouvait pas le maîtriser, ça, tout ce qui se passait sur le terrain. Donc. Là, je dis que c'était serré et que ça pouvait passer, mais ils ne sont pas rentrés dans le détail du score ou quoi que ce soit. D'accord. Vincent, peut-être? Oui, merci. Bravo à vous deux d'abord, parce que vous êtes les deux, parmi les satisfactions de l'équipe, vous êtes quand même les deux grandes révélations, les deux grands espoirs de la saison. Donc bravo pour votre saison. Et la question, enfin, la saison, elle a été longue. On sait qu'on a joué la fin de la Coupe d'Europe de l'année dernière à l'automne. On sait qu'on a été aussi jusqu'en quart contre l'UBB dans la Coupe d'Europe actuelle. C'est comment vous sentez l'équipe? Est-ce que vous êtes fatigué de la répétition de match? Est-ce que vous êtes encore frais et plein d'espoir pour ces barrages? Enfin, voilà, comment vous situez physiquement, en fait? Non, je pense que là, moi, je sens le groupe vraiment bien, frais. Je sens que là, ça fait quelques semaines où on voit que la fin de saison arrive, les phases finales arrivent, et plus les semaines passent, et plus je sens que les entraînements, on est de plus en plus concentrés.
Et moi, je sens vraiment que l'équipe se met vraiment en mode phase finale et monte en niveau chaque jour. On a eu un passage à vide un peu après le quart qu'on perd à Bordeaux, où on avait pas mal de blessures et là, il y a quand même du monde qui est revenu. Donc, Militao, il y a une belle dynamique, il y a un peu de concurrence à l'entraînement, tout le monde se tire un peu la bourre positivement. Donc, non, mais ça se ressent sur les derniers matchs. On voit qu'il y a. Enfin, moi, personnellement, je vois qu'il y a un vrai mieux depuis 4 ou 5 matchs. Et c'est presque le jour et la nuit avec les matchs, les 4 ou 5 matchs précédents qui ont été joués après Bordeaux, notamment. Et si vous continuez sur cette lancée, on risque d'avoir des bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année. Et on vous le souhaite. Merci. Et moi, je ne sais pas. D'abord, alors, et Nolan, comme c'est bientôt, avec un peu d'avance, bon anniversaire quand même, puisque c'est, je dis un peu d'avance, un peu de retard. C'était il y a 15 jours, 3 semaines, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, donc, et puis, je me demande si ton voisin n'aurait pas voulu affronter Clermont en barrage, mais ça, je ne le poserai pas la question. trois fois. C'est vrai. Non, un derby, c'est déjà pas mal. Bon. John? Have you got any questions? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez serait le truc le plus important pour vous pour préparer pour le barrage alors dans ton préparation dans les prochains jours pour s'organiser ça pour qu'on ait la victoire et tout ça? Pour répondre à la question, moi je pense que c'est la fraîcheur. Comme vous avez dit, on a joué deux Coupes d'Europe presque, le championnat, 26 matchs. Donc moi je pense que ce sera la fraîcheur physique et mentale, comment on va aborder le match. L'équipe, on l'a déjà joué deux fois, donc autant elle ou nous, on sait très bien le jeu qu'ils vont proposer. L'inverse, donc je pense que ce sera la fraîcheur physique et mentale et qu'on va développer cette semaine. Garbis, oui. It's your turn. Écoute, j'ai pas de questions encore. Ça vient pas. Et parce que il nous reste Joker, moins de. Joker. Je viens d'avoir un texto. Il nous reste 5 minutes, les gars. Donc moi j'en ai plein de questions, mais Bruno Bruno qui parle beaucoup comme moi, peut-être que tu en as une pour les deux bonhommes qui sont là. Non, j'ai pas forcément de questions, mais. Voilà, le match de la semaine prochaine, oui, ça va être un match important. Je pense qu'en termes, au niveau mental, il ne va pas y avoir de soucis. La motivation, vous allez l'avoir. Il y a une petite revanche à prendre sur le dernier match à domicile. Donc, en termes de motivation, à mon avis, je pense qu'elle est déjà là. Et nous, on n'attend qu'une chose, c'est que voilà, Gaël Ficou marque un essai, quoi. Moi, si et les gars, juste de mémoire, les deux derniers matchs, les quatre derniers matchs, on a gagné deux fois chez eux et on a perdu deux fois chez nous. J'ai pas la même temps. Mais donc là, il faut arrêter la. Arrête avec tes stats. Arrête avec tes stats. T'as raison. Mais Nolan et Dono, vous pensez pas que là, si tout va bien, il y aura du public? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble nécessaire pour vous maintenant, de vous dire que la semaine prochaine, et une bonne nouvelle de vous dire que ces bonhommes-là seront avec vous la semaine prochaine probablement? Oui, c'est sûr. On a vu quand il y avait un peu de public à Agen, c'est des matchs, enfin, je trouve que ça apporte quelque chose, ça apporte un petit plus. Et là, en phase finale, c'est encore plus important où on sait que les matchs sont durs physiquement et mentalement. Donc, avoir des gens dans les tribunes et voir qu'on est soutenu, ça fait toujours du bien. En même temps que tu parles d'Agen, ça ne leur a pas porté bonheur quand même, hein, d'avoir du monde un peu. Est-ce que, pardon de cette question, Donovan, mais est-ce que derrière, quand on voit ces phases finales, est-ce que dans le coin de la tête, on a un peu l'équipe de France pour ce qui va se passer en Australie, en Argentine ou pas du tout? Non, parce que... Me concentre, de toute façon, l'équipe de France, pour y aller, il faut d'abord être bon en club. Donc, moi, je me concentre sur d'abord le club
essayer de gagner ce bonus. Donc, moi, je suis à 100% ici et le reste, on verra plus tard. D'accord. Vincent, tu en as encore une petite lichette ? Peut-être oui, à chaque fois qu'on joue contre le Stade français dans les journaux sur Canal, on nous dit oui, le président est très remonté contre le Stade français, il veut absolument qu'on gagne tous les matchs contre le Stade français. Donc ma question est, qu'est-ce qu'il vous dit concrètement pour vous motiver quand on joue le Stade français ? La prime. Après, je pense qu'on n'a pas besoin de nous le rappeler que c'est un match important. En plus, c'est un barrage. Donc. Forcément, je pense qu'il y aura des discours, mais chaque joueur, dès ce soir, c'est très bien que le week-end prochain, ça va être un match différent. C'est un derby, en plus, c'est un bon match élimination direct. Donc, je pense qu'on va pouvoir nous dire beaucoup de choses qui vont nous motiver aussi, mais je pense que chacun individuellement, on est déjà tourné sur le match et chacun va piocher sa motivation. Garbi, s'il nous reste une poignée de secondes, si tu veux juste dire... Rien, vous avez posé toutes les questions qu'il fallait. Hein. Je leur souhaite beaucoup de... Écoute, contre le Stade français, on doit gagner, on va gagner. Je vois qu'une seule chose, hein, c'est qu'on va gagner. Parce que... Est-ce que vous avez des nouvelles des blessés type Kamicha, Juan est-ce qu'ils peuvent revenir pour les phases finales ou pas? Henri aussi. Henri, ça ne sera pas le cas. Henri, je crois que c'est fini pour la saison. Juan, c'est assez sérieux pour une blessure au ischio. Je ne sais pas exactement, mais je pense que ce sera un petit peu juste pour la semaine prochaine. Et Camille, je sais qu'il revient bien. Après, je ne sais pas s'il sera après la semaine prochaine, peut-être celle d'après, s'il y en a une. Mais il y en aura une. Merci les gars, mais il y en aura une. Merci Nolan, on va laisser aussi Donovan partir à son mariage puisqu'il est dans une tenue incroyable. Merci, reposez-vous bien, on compte sur vous la semaine prochaine pour tout donner et puis on sera tous là pour, on l'espère en tous les cas, pour donner de la voix et si c'est pas possible, vous pouvez compter sur nous par l'intermédiaire des 2.0. Hop. Garbis, t'as une poignée de secondes parce qu'on va se faire engueuler, on est en retard. Des places. Demande-leur des places. Merci les copains. Merci beaucoup. Merci. Proposez-vous bien. La semaine prochaine pour qu'on puisse gueuler. Et c'est pour le Racing 92. Salut les gars. Bonne soirée. Bon courage les gars. Pensez à changer le canapé chez Ikea.